Cette gravure, réalisée par Crespin de Pas en 1728, représente un jeu appelé jeu de paume. La scène se déroule quelque part en Europe, peut-être en Allemagne. L'incertitude sur ses origines demeure. À l'époque, ce jeu est très populaire, tant en Italie qu'en Angleterre, où il se nomme tennis. La passion qu'il suscite parmi les étudiants est telle qu'en 1756, le prévôt d'Orléans est contraint de fermer les 14 salles de la ville pour que l'université soit de nouveau fréquentée. En Italie, ce jeu est pratiqué aussi bien par le peuple que par l'aristocratie, comme le montrent les gravures de Crespin de Pas. Le jeu de paume existe déjà en France au XIe siècle. C'est un jeu populaire qui se pratique en plein air, sur les places des villes et des villages, à main nue ou avec des gants. De vieux dessins attestent qu'au XIIIe siècle à Paris, on utilisait 13 balles de formes et dimensions différentes. Louis XI en réglemente pour la première fois la fabrication. Il interdit le rembourrage de sable et de limaille, qui s'avère dangereux. On dénombre des bras cassés et des mains écorchées. En outre, il préconise que soient utilisés des matériaux de qualité tant pour le rembourrage que pour le tissu extérieur, le tout devant être parfaitement hermétique. Afin de s'isoler des lieux populaires où se pratique le jeu de paume, l'aristocratie s'enferme dans des espaces clos, puis dans des salles couvertes. La longueur du terrain de jeu se raccourcit afin de privilégier l'agilité à la force du bras. La séparation des deux adversaires se matérialise par une corde. Puis se substitue aux mains nues et aux gants un instrument qui demande de la dextérité, la raquette. Elle met en évidence la beauté du geste et la noblesse de la position du corps. Au XVe et XVIe siècle, le jeu de paume fait partie intégrante de l'éducation des jeunes princes. En 1552, le petit duc d'Orléans, alors âgé de 2 ans, est représenté une raquette à la main. À l'époque, s'opère une transformation radicale. La raquette devient, à l'instar de l'épée, un signe distinctif de la noblesse, comme l'atteste cette toile attribuée à Giovanni Bernardo Carboni, peintre vénitien du XVIIe siècle. Mais quelle est la provenance de ce curieux instrument? Les Italiens, qui restent fidèles à la puissance du coup, l'attribue au tambourin. En France, la Corporation des artisans qui fabrique des balais et des baguettes pour battre les tapis obtient immédiatement des souverains le privilège de confectionner les raquettes. Au XVIIIe siècle, selon la description de la publication Arts et Métiers, le jeu de paume est l'unique jeu dont la tradition de fabrication mérite d'être transmise. Il exige en effet des instruments sophistiqués, d'une manufacture très particulière. La fabrication des raquettes et des balles réalisées par les maîtres artisans y fait l'objet d'une explication détaillée. À l'époque, on ouvrait des paris sur les joueurs. Henri IV, fier de la rusticité de ses origines navarraises, s'empressait de ramasser les 400 écus d'or résultant des paris qui s'amoncelaient près de la corde. Le public, installé dans la galerie, faisait fonction de commission d'arbitrage. À partir du règne de François Ier, le roi et les princes doivent s'entraîner parfaitement au jeu de paume, qui devient le roi des jeux et le jeu des rois. Les revers de M. Donnemoor deviennent bientôt célèbres. Le public s'extasie devant ses voltiges, son style et son talent. Tant de qualités sportives réunies en un seul homme lui font gagner les faveurs des dames de l'époque, réputées inaccessibles. En 1921, Jacques-Henri Lartigue réalise une série de photos de Suzanne Lenglen. Lartigue, fidèle à ses choix esthétiques,
prend des clichés de la championne française en pleine action. À partir de la publication du Manifeste technique de la littérature futuriste de Marinetti dans le Figaro en 1909, la vitesse, le saut, le culte du corps libéré deviennent le dénominateur commun de tous ceux qui veulent promouvoir les hommes et surtout les femmes des temps modernes. De 1929 à 1926, Suzanne Lenglen est imbattable. Cochet, Borotra, Brugnon et Lacoste, la célèbre équipe française des mousquetaires, reconnaîtront plus tard que c'est grâce à l'extraordinaire performance de la jeune championne sur tous les cours du monde qu'ils auront ensuite l'audace de défier les champions anglo-saxons. Audace qui se concrétise avec la victoire sur les Américains lors de la Coupe Davis de 1927. Le style si particulier de la championne française Suzanne Lenglen est le résultat d'un entraînement puisant d'une part dans la mobilité de la boxe, son père est fasciné par ce sport, et d'autre part dans les nouveaux courants esthétiques qui, de Serge Diaghilev à Isadora Duncan, recherchent à travers la danse l'expression de la pure beauté plastique du corps en mouvement. La tenue de tennis de Suzanne Lenglen est de Patou, avec qui elle crée une ligne de vêtements avant même la naissance de la marque Lacoste. Première joueuse à montrer ses jambes, et plus encore, elle est à l'origine de l'érotisation candide de ce sport. Elle devient professionnelle en 1926. Suzanne Lenglen participe à une série de matchs de démonstration aux États-Unis, mais sa tournée est compromise par des problèmes de santé. À son retour, plus que jamais enthousiasmée par ses théories associant le tennis à la danse, elle ouvre une école de tennis à Paris. La maladie se fait déjà sentir lors de ses dernières prestations en public. En 1938, elle meurt de la leucémie à l'âge de 39 ans. À la fin des années 1930, le tennis est victime de la montée du national-socialisme qui fait de ce sport l'une des vitrines du régime totalitaire. En 1937, lors de la Coupe Davis, Gottfried von Kramm est le représentant de l'Allemagne nazie contre les États-Unis. Son opposition au régime d'Hitler lui vaudra d'être déporté en camp de concentration. Borg sert à 5 contre 4 pour le gain du match. Il remportera pour la troisième fois en 3 ans le trophée de Wimbledon. De 1976 à 1980, il sera vainqueur 5 fois consécutives. 1979, finale du tournoi de Wimbledon. Björn Borg et Roscoe Tanner s'affrontent. Les deux joueurs en sont au 5e set. Il faudra attendre 1979 et l'avènement de la transmission directe du Grand Chelem dans le monde entier pour que le tennis retrouve la notoriété qu'il avait avant-guerre, puis la dépasse. Bien que professionnel, Borg participe au tournoi du Grand Chelem. Cette possibilité n'a pas été offerte à tous les grands champions qui l'ont précédé. À partir de 1945, la distinction entre joueur amateur et professionnel, qui s'est déjà ébauché avant la guerre, est mal vécu par les supporters. Les grands joueurs de l'époque n'ont plus accès au tournoi du Grand Chelem. Pancho González devient professionnel à 20 ans. Jack Cramer remporte le trophée de Wimbledon une fois avant de passer professionnel. Frank Seligman devient professionnel après s'être imposé une fois à Wimbledon, 2 fois en Australie et 2 fois aux États-Unis. Ken Rosewall est vainqueur 4 fois en Australie, 2 fois à Roland-Garros et 2 fois à Wimbledon.
Lou Rhodes l'emporte une fois en Australie, une fois à Roland-Garros et deux fois à Wimbledon avant de devenir professionnel. Rod Laver remporte le Grand Chelem en 1962. Il passera professionnel 7 ans après. En 1968 et 1969, sous l'impulsion de Jack Cramer, qui est à l'époque l'organisateur du circuit professionnel, et de Philippe Châtrier, président de la Fédération internationale de tennis, sont institués les Open, qui ouvrent progressivement les compétitions du Grand Chelem aux joueurs professionnels, permettant ainsi à Rod Laver de réaliser son deuxième Grand Chelem en 1969. À partir de 1974, Björn Borg domine le tennis mondial pendant 8 ans. Susan Lenglen et Bill Tilden ont connu en leur temps des périodes de gloire comme celle de Borg. Mais avec les victoires du Suédois, le tennis devient un phénomène social, à l'instar du football et de la Formule 1. Durant ces années-là, la télévision devient un média international. Elle exalte le sport en général et le tennis en particulier, qui suscite désormais l'intérêt du grand public. Gérard et ses collègues, employés à temps plein à Roland-Garros, arrosent une superficie aride, sachant que rien n'y poussera jamais. Ils y ont consacré 1 an de travail et de persévérance. Au printemps, après les gelées, ces terrains sont retournés et remis à neuf par ces paysans qui travaillent la terre rouge. Cette surface dépoussiérée avec le plus grand soin est le résultat d'un travail tenace, mais aussi de beaucoup d'amour et de passion. Elle doit être parfaite, une surface de rêve, idéal pour ceux qui sont attendus par une foule trépidante. Les purs sang de la petite balle jaune. Voici les joueurs qui pénètrent dans l'arène rouge et verte. En entrant en scène, la télévision a fait de ce sport élitiste une distraction populaire, dont le public s'est excessivement élargi. Elle a inventé un nouveau spectacle, le drame du tennis. Le joueur, entouré et protégé comme un joyau, entre dans l'arène tel un gladiateur solitaire. Seul, il doit affronter l'adversaire, mais aussi le public, qui peut le soutenir comme le conspuer.
Même si la complicité du public est perceptible, le joueur est anxieux. Il est dans la ligne de mire et doit faire face à deux types de public, celui des gradins et surtout celui de la télévision. Il doit réaliser une performance sportive, mais on attend de lui une prestation artistique, un spectacle. C'est cette double exigence qui créera son image, et l'image d'un joueur représente beaucoup d'argent. Les rôles sont distribués. Comme dans un film, il y a le bon et le méchant. Le monstre et l'enfant terrible. Le joueur appliqué et l'obstiné. Le rigoriste au geste parfait et le rigolard qui fait rire tout le monde. La télévision en direct a besoin d'un plus pour tenir le public en haleine et faire de l'audimat. Sentiment, drame humain. Les joueurs sont constamment stressés. La moindre de leurs défaillances est condamnée. L'acharnement et la dimension dramatique de la rencontre sont mis en exergue. La caméra scrute les visages à la recherche d'un signe qui pourrait susciter la compassion ou au contraire la répulsion selon le rôle attribué au joueur ce jour-là. Pendant la pause, la caméra ne lâche pas les joueurs. C'est à ce moment qu'ils sont vulnérables. Ils ne cherchent pas à simuler, ils ne le peuvent pas. Presque inconsciemment, ils se cachent derrière leur serviette, comme pour fuir l'objectif inquisiteur. Tout peut être exploité pour faire partie intégrante du spectacle. Un gros plan d'une blessure en train d'être soignée renforce le suspense. Le public qui gronde et s'impatiente peut à tout moment retourner sa veste. Il prend le parti du plus faible, non par compassion ni par esprit chevaleresque, mais simplement parce qu'il veut du spectacle. Il veut être ému. La défaite d'un joueur célèbre fait toujours beaucoup de bruit. Ce jour-là, Agassi rencontre un illustre inconnu venu du Middle West. Contre toute attente, la star souffre. Agassi est perplexe. Il perd peu à peu ses forces avant de sombrer. Grosse sensation sur le court, Suzanne Lenglen. Ce jeune homme, Chris Woodruff, vient d'éliminer André Agassi en 5-7. Roland Garros perd l'un de ses chouchous, mais là, il n'y a rien à dire. Il craque un peu, Chris Woodruff, des larmes de joie. Si le public l'adorait au départ, à présent, il l'abandonne. Les joueurs sont les protagonistes permanents de films publicitaires. Ils sont aussi célèbres que les acteurs célèbres. Mais à la différence des stars du spectacle, qui peuvent se démarquer de la publicité, les joueurs de tennis en sont totalement dépendants, car ils sont sponsorisés en permanence.
L'aspect financier de la carrière d'un joueur de tennis influe considérablement sur son style de vie. Un match peut lui faire gagner ou perdre des millions de dollars. Le sport n'est donc pas l'unique motivation de cette terrible envie de vaincre. Les caméras s'arrêtent sur la douce petite amie du champion. Avec l'actrice Brooke Shields et André Agassi, le spectacle est assuré. Toutes les petites amies des joueurs frémissent et souffrent à l'unisson avec leur moitié qui se démène sur le court. Intercalés des gros plans des jolies demoiselles permettent aux spectateurs de s'immiscer dans l'intimité de la star. Durant les matchs les plus importants, comme les finales, l'âme sœur d'un adversaire qui donne du fil à retordre aux favoris est elle aussi au centre de l'attention. Sur le terrain, les deux protagonistes, conscients de devoir conquérir les faveurs du public, se donnent sans retenue, avec une ardeur et une prodigalité inhabituelles. Cependant, l'apparition en public des petites amies n'est pas sans risque. Silence, s'il vous plaît. Becker aura à souffrir en premier lieu de l'intrusion dans son intimité d'un public qui ne lui pardonnera pas d'avoir choisi une copine de couleur. Elle devient le centre de l'attention durant les rencontres. La situation est tellement gênante pour Becker que ses prestations sur le court s'en ressentent. Le couple finira par changer de pays. Jimmy Connors a un jeu acrobatique et férocement compétitif. Célèbre pour son puissant revers à deux mains et une réception au service précise et violente, il a été élevé dans l'objectif de devenir champion. Connors compense son petit gabarit par une forte détermination. En fin de carrière, si son côté polémique s'est atténué, ce n'est pas le cas de son esprit de compétition. À 39 ans, il réussit à battre des adversaires bien plus jeunes que lui. Il est l'un des premiers joueurs à avoir contribué à la diffusion du revers à deux mains, un coup quasiment inconnu jusqu'alors. Il s'implique totalement dans son jeu et ne lâche jamais prise. Peu de sportifs ont laissé comme lui une trace aussi indélébile.
Chris Evert est né en 1954 en Floride dans une famille extrêmement unie. Grâce à une incroyable capacité de concentration, elle possède une ardeur qui, unie à son talent naturel d'athlète, fait indiscutablement d'elle l'une des joueuses les plus chevronnées. Chris Evert est devenu un modèle dans le domaine du sport et pas seulement pour une génération entière de femmes. Mariée à un champion olympique de ski, elle dirige aujourd'hui avec toute sa famille la célèbre et prestigieuse école de tennis qu'elle a fondée. Le jeu brillant de Björn Borg et son agilité d'athlète lui permettent souvent de réagir à des coups apparemment impossibles à réceptionner. Il est par excellence le joueur masculin dominant du tennis au plan international. En 1991, il tente un retour à la compétition, mais obtient peu de succès. Il fait partie des plus grands joueurs de tennis du monde. Thank you.
Le tennis est une tradition dans la famille de Martina Navratilova. Sa grand-mère maternelle était une bonne joueuse de tennis de l'équipe nationale tchécoslovaque avant la Deuxième Guerre mondiale. Quant à Martina, elle devient la gracieuse reine du tennis et la favorite du public américain. Son entraînement a pour objectif de développer des potentialités athlétiques relevant de la course, du ski et de la natation. Elle est surnommée Martine la Magnifique. John McEnroe, un caractère irascible et introverti qui le porte à entrer souvent en conflit avec ses adversaires. Cela n'empêche pas son extraordinaire talent. McEnroe est un grand artiste de la raquette. À la fin de sa carrière, son amour pour le sport l'incite à prendre les rênes de l'équipe nationale américaine. Ce qui distingue McEnroe, ce n'est pas seulement sa technique, mais aussi la rapidité et l'élasticité de ses mouvements. Même lorsqu'il est soumis à la pression la plus dure, il ne donne jamais l'impression de s'essouffler. Son jeu de jambes est incroyablement léger et fluide, tandis que sa capacité de réaction est immédiate.
Née en Yougoslavie, Monica Seles prend la nationalité américaine en 1994. Son jeu incessant ne laisse pas de répit à son adversaire. Vainqueur à Roland-Garros en 1992, elle est la première femme à s'imposer trois fois de suite dans cette compétition. Au Grand Chelem, elle remporte quatre titres en Australie et deux aux États-Unis. Le 30 avril 1993 à Hambourg, lors d'un quart de finale contre Magdalena Maleva, elle est poignardée par un démon. Elle était le numéro un du tennis féminin. Pete Sampras, né à Washington le 12 août 1971.
Fils d'immigrants grecs, il découvre le tennis tout jeune et s'entraîne chez lui, contre le mur du sous-sol. Sur le court, son service est agressif et son style compétitif. Doté d'une personnalité directe et sincère, Sampras est un joueur polyvalent qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. Il débute en 1988, à 16 ans, avec un jeu considéré comme dangereux. En 1990, il remporte l'Open USA, son premier titre. À 19 ans, Sampras est le plus jeune tennisman à s'imposer dans cette compétition. Steffi Graf, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis féminin. Elle commence à jouer au tennis à l'âge de 4 ans. En 1982, elle apparaît pour la première fois dans les classements mondiaux à la 282e place. À partir de ce moment, elle commence à gravir les échelons jusqu'à la première place. Steffi Graf vient d'avoir 30 ans lorsqu'elle met un terme à la compétition. Mieux vaut terminer en beauté l'année qui a exalté ton extraordinaire règne.
Le talent des grands joueurs de tennis naît de la fusion de capacités naturelles et d'une multitude de qualités toujours perfectibles. Perception visuelle ultra rapide, détente musculaire, réflexes exceptionnels sont les capacités naturelles. Vitesse, puissance, résistance et explosion musculaire sont les qualités perfectibles. Rentre également en ligne de compte la santé des joueurs et leur réaction face à l'adversité. Se battre ou se faire écraser psychologiquement. Et puis, il y a aussi les qualités personnelles. Discipline, volonté, ambition, passion. Enfin, la personnalité du joueur. Concentration et résistance aux divers types de stress, y compris ceux générés par les médias et les critiques. Lorsque toutes ces qualités s'unissent, le joueur de tennis devient maître de son jeu.